je vous l'avais bien dit. C'est vraiment l'endroit idéal. Regardez, voilà Mowgli et le bébé tigre. Bien, comme ça je vais faire d'une pierre deux coups et la tigresse. Ne vous inquiétez pas, aucun risque qu'elle vienne nous déranger. Attends-moi ici, Chiota, je reviens tout de suite. Prends soin de Chiota jusqu'à ce que je sois guérie. Je vais m'occuper de lui, c'est promis. Maintenant, repose-toi. Baloo viendra demain pour t'apporter le remède. Maman, guérie ? Bientôt, Chiota. Il faut qu'elle se repose un peu. Je vais rester avec toi jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le ciel nous tombe dessus ! Tais-toi ! Allons-y ! Encore de Kebrion Zinet Nabaki ! C'était vraiment incroyable, pas vrai ? Encore, encore, encore ! Tu sais, Chiota, c'est très rare de voir des étoiles qui tombent du ciel. Il y a une légende qui raconte que si quelqu'un trouve l'étoile tombée du ciel et réussit à la toucher, alors son vœu le plus cher se réalise. C'est une belle histoire, non ? Chiota veut faire un vœu. Pas maintenant. Il faut que tu dormes. Allez, au lit, petit Chiota. Où est Chiota ? Quoi ? Mais il était ici avec moi, la nuit dernière. Tu m'avais promis qu'il serait en sécurité avec toi. Et je vais tenir ma promesse. Je me demande si... s'il n'est pas allé voir où l'étoile est tombée pour faire un vœu. Ne t'inquiète pas, je vais le retrouver. L'endroit idéal, c'est bien ça que tu as dit, Tabaki ? Tout le monde peut se tromper. Il fallait que ce truc s'écrase en plein milieu de mon territoire. Nettoie-moi tout ça, Tabaki. Il faut d'abord que je me repose. Je suis épuisée, moi. Tu as de la chance, Chacal. Nous avons de la visite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment qu'il arrive. L'étoile qui est tombée. Il est où le serpent ? Chiota, courageux ! Chiota fait peur au serpent. Oh non!
Je viens t'aider, Shota. Laisse Shota tranquille. Mowgli. Ne bouge pas, Shota. Je vais te sortir de là. Dès que notre ami sera parti très loin d'ici. En fin de compte, l'endroit idéal était juste sous notre nez. Tu vois, Chacal, tu... On devrait attraper le petit Dom maintenant. Je te dirai quand le moment idéal sera venu. Moi aussi, je suis content, petit tigre. T'es pas blessé? Oh non. Il faut que je te ramène auprès de ta maman. On va devoir partir. C'est dangereux ici, tu sais. Elle est où l'étoile qui est tombée? Shota veut faire un vœu. Plus d'étoiles qui tombent? Alors le vœu de Shota peut se réaliser? Regarde, Shota. Des morceaux d'étoiles. Des tas de morceaux d'étoiles. Elle a explosé en éclats quand elle est tombée. Tu peux en toucher un et faire ton vœu maintenant. L'étoile qui est tombée? Oui, vas-y. Je fais un vœu. Je voudrais comme moi. Shota finit son vœu. C'est bien, petit tigre. Et maintenant, on va rentrer voir si les vœux se réalisent vraiment. Mon vœu à moi vient de se réaliser, petit homme. Je t'interdis de faire un pas de plus, cher Khan. Sinon quoi? Tu vas faire le vœu que je disparaisse, peut-être. Oh, quelle bonne blague vous avez fait, maître. Je te ferai signe quand j'aurai besoin de ton avis, chacal. Ne t'approche pas plus. Mais je n'y compte pas. Pourquoi je le ferai? Alors qu'il me suffit d'attendre que tu viennes à moi. C'est une chance unique de les attraper. Exactement. Et tu ne vas pas la gâcher pour une fois. Alors rends-toi utile et va ranger le Capharnaüm devant ma grotte. Mais... Fiche le camp. Tu vas rester ici, mon petit Shota. J'ai un plan pour faire partir ce méchant tigre. Tabaki! Tabaki! Oh. Explique-moi pourquoi tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Viens ici tout de suite, il faut qu'on les retrouve. Tabaki! Oh, viens tout de suite, Tabaki, fais ci, fais ça. Gna, gna, gna. Oh. Méchant tigre a pas trouvé, bien caché. C'est vrai. Il est pas très bon pour jouer à cache-cache, celui-là. Maintenant, filons d'ici en vitesse. Maman! Shota! Maman guérit? Maman va beaucoup mieux maintenant que tu es rentrée à la maison. Mowgli, maman guérit. Mon vœu, il s'est réalisé. T'as vu ça? La légende était vraie. Je pense que ce sont surtout les herbes que je lui ai données qui l'ont guéri. Mais ça, bien sûr, ça reste notre petit secret. Surtout, ne lui dis rien. Je suis tellement content qu'elle soit guérie, Balou. Qu'est-ce que tu disais déjà? L'endroit idéal? Une chance unique? Mais je vous ai quand même sauvé la vie, maître. L'étoile aurait pu nous écraser si je n'avais pas... C'est moi qui vais t'écraser si tu ouvres encore une fois la bouche, Tabaki.
C'est moi qui vais t'écraser. La jungle est étrange aujourd'hui. Oh. Oui, et ces oiseaux ont l'air très agités. Et cette odeur, Kala la panthère doit rôder dans la jungle. Kala est de retour, si tu dis vrai. Mowgli court un grand danger. Le crocodile envoyait des coups de queue, mais Bagheera le tenait. Après, il a essayé de le croquer avec ses dents énormes et il s'est battu toute la nuit. Mais au petit matin, c'est Bagheera qui a gagné le combat. Il a battu le plus gros crocodile de la rivière. Waouh! Bagheera est vraiment un très grand chasseur. C'est surtout un incroyable menteur. Depuis quand les panthères sont-elles plus fortes que les crocodiles? Bagheera n'est pas une panthère comme les autres. C'est la plus forte, la plus courageuse et la plus... Ha! Et tu as gobé cette histoire. T'es vraiment trop naïf. Qu'est-ce que tu dis? Je vais aller le chercher, tu vas voir. Bala, surveille-le. Il fera moins le malin quand il sera là. Il va te donner une bonne leçon, Tabaki. T'inquiète pas pour ça. Je reste là. Ne me fais pas peur, ta grosse panthère noire. Il faudrait s'assurer qu'il s'agit bien de Kala. Bagheera! Te voilà! Il faut absolument que tu viennes à la rivière Tabaki! Désolée, je dois vous laisser. Le temps presse. Hein? Qu'est-ce qui se passe? De quoi il parlait? Pourquoi il doit nous laisser? Oh, mais pour rien, voyons. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Et puis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire au sujet de Tabaki? Vous me cachez quelque chose tous les deux. Bon, si tu ne me dis pas ce que c'est... J'irai le découvrir tout seul. Non, pas question. Lâche-moi, t'as pas le droit. Allons plutôt voir ce que mijote Tabaki. Quelle question! Tu viens de me donner un coup dans le ventre! Désolé, je ne l'ai pas fait exprès! Oui, je sais bien. Mais j'aurais besoin de feuilles de moringa pour soulager la douleur. J'en ai vu dans les buissons par là-bas. Dépêche-toi! D'accord. Alors? Pas de doute, c'est Kala. Il y a ses empreintes près du repère des loups. Je les reconnaîtrai entre mille avec leurs affreuses cicatrices. La panthère mangeuse d'hommes est de retour, Balou! Pour Mowgli. Et il est revenu pour se venger. Il avait essayé de tuer Mowgli il y a 10... Non, il y a 11 ans, tu te souviens? Mais oui, il avait juré qu'un jour il reviendrait. Ce jour est arrivé, Balou. Ne dis surtout rien à Mowgli. Inutile de l'inquiéter outre mesure. Ne le perds pas de vue tant que je n'aurai pas chassé Kala de la jungle. D'accord? Mowgli? Oh, as-tu trouvé les feuilles? Mowgli! Mowgli, où es-tu? Oh non! Qu'est-il passé? Où est Bagheera? Ah, oui, qu'est-ce qui retient le grand chasseur? Il a peut-être la frousse. T'inquiète pas, il va venir, tu l'auras ta leçon. Allons, je suis bien plus malin que tu ne le crois, petit homme. Qu'il vienne, ton Bagheera le trouillard, je l'esquiverai comme ça. Je bondis comme un tigre, je tourne autour et... Ah, oh. Ah ouais,
très malin. Oui, je... En attendant, tu vas fermer ton clapet, Tabaki. Ça nous fera des vacances. Bien joué, Mowgli. Allez, viens. Il faut qu'on s'occupe de quelque chose de très important. Ah bon? Quoi? Bagheera, Mowgli a disparu et Kala est... Kala vient tout juste de passer par ici. Cette piste est encore fraîche. Il faut absolument qu'on retrouve Mowgli avant lui. On va aller au repère des loups. C'est là que Bagheera a vu ses empreintes. On va donc remonter la piste, le traquer dans la jungle et le capturer. Oui. Mais comment au juste? Avec ça. Tout en douceur. Bagheera? Évidemment. Oh, je savais bien jouer. Retourne dans les montagnes et ne t'avise plus jamais de mettre une patte dans la jungle. Parce que sinon, tu auras de nouveau affaire à moi. Bagheera, tu es un grand chasseur et un excellent guerrier. C'est exactement ce que j'ai dit à Tabaki. Au fait, Bagheera, en parlant de Tabaki... Ah, Bagheera, enfin te voilà. J'ai entendu parler de ton crocodile. T'es sûr que c'était pas un lézard? Je plaisantais. Et Tabaki, hein? Je plaisantais, je t'ai dit. On peut plus rigoler ou quoi? Il a l'air extrêmement pressé. Il doit pas aimer les panthères. Ah. Balou? Hein? Au fait, t'as toujours mal? Non. Tu as deviné que j'avais fait semblant. C'était pas la peine de faire ça. Tu aurais dû me dire que Kala était de retour. Oui, on avait une arme secrète en plus. On vous aurait aidé à l'attraper. Mais votre plan n'a pas vraiment fonctionné. Oui, mais c'est parce qu'il m'a pris par surprise, c'est tout.
La prochaine fois qu'il viendra dans le coin, je serai là pour lui donner un grand coup d'œil. Ha 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 ha